Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure en survie modée. Oula deux fois, 1.16 je voulais dire, regardez, boum, ça y est on y est. Et là les amis, si je casse le sable, on a de la lave. Incroyable, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai continué donc en off c'est infâme, et je pense qu'on va arrêter là tout simplement. Vous allez voir que ça va totalement suffire. Voilà le trou, il est pas... Alors je suis allé checker aussi, normalement il n'y a pas d'autres spawners. Je suis quand même allé checker, en théorie il n'y a pas d'autres spawners. Mais voilà, on va arrêter ici, ce sera assez grand puisqu'en fait on va pouvoir mettre plusieurs étages. C'est ça ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on va mettre plusieurs étages. Les parois, je ne savais pas comment les faire. Les murs, je ne savais pas comment les faire. Et c'est tout simplement en ayant vu vos commentaires que ça m'a donné l'idée. Bah, c'est tout simplement BXNO qui m'a directement donné l'idée en mettant du verre, tout simplement. Donc je pense que c'est totalement une bonne idée. Donc on mettra du verre sur les côtés, sur les murs. On mettra du verre aussi au-dessus, sur le plafond, bien évidemment. Et après, pour la déco extérieure, là par contre, on essaiera de voir les structures qu'on peut faire. Mais le plus important, c'est qu'à l'intérieur, on s'y sente bien. Et il y aura plusieurs hauteurs, plusieurs couches, donc peut-être 2 étages, peut-être 3. Dans tous les cas, on peut toujours miner en toute sécurité. Donc on peut toujours faire plus profond. Voilà, c'est ça ce qui est assez sympa. Donc en termes de place, on n'est vraiment pas limité, sachant qu'on est la couche 33, donc on peut encore miner un petit peu si jamais, voilà. Aucun problème à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, pour commencer cet épisode, les amis, tranquillement, est-ce que j'ai encore du sable en stock? J'ai encore du sable en stock. Ouais, j'ai eu peur, je vais pas vous mentir, j'ai eu peur. Est-ce que j'ai des fours sur moi? Non, j'ai pas de fours sur moi, j'avais pas prévu ça. Et encore moins donc de charbon. Ah oui, j'avais pas prévu ça, j'ai rien ramené de tout ça, moi. Alors j'ai du bois, mais je voulais pas utiliser le bois pour ça. Donc ce qui m'embête un petit peu, ça m'embête un petit peu. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça un maximum en off. Bon, c'est pas grave, déjà on va commencer tranquillement, hop, par faire fondre du sable. On va utiliser donc on va utiliser tranquillement du bois, tant pis. On va pas tout utiliser. Voilà, c'est bon en fait, tranquille, on a assez de bois. On va déjà commencer comme ça, crescendo. Pendant que ça s'échauffe, nous on va s'amuser un peu à voir les crafts, à voir bah, le sol, comment on pourrait le faire, tiens. Le sol, comment on pourrait le faire, c'est une bonne question. Les différents étages. Sachant que si on met du bois, bah ça cramera pas, mais est-ce que c'est pas un peu trop répétitif, est-ce que c'est pas un peu trop redondant? Qu'est-ce qu'on a comme bloc là sur nous, tiens. Juste qu'on regarde, on va pas faire d'aller-retour aujourd'hui. Ouais, on a du bois de boulot. Est-ce que si je cherche... Des trucs du genre wall, donc ça c'est les murs. Comment on dit plancher en français? Attends, déjà plank. Ah oui, parce qu'il y a les bois de biomes au plenty qu'on aurait pu prendre. On a la blue concrete, la purple pardon concrete, mais ça ça va nous servir pour ah ça va que nous servir à faire des kitchen. En vrai, ça va que nous servir à ça. Ah non, voilà la white, on peut faire plein de trucs. Et ben dans ce cas-là. Si t'es en train de me dire que la purple concrete ne sert que à ça, eh ben on va se faire le sol en purple concrete. Et on va être beaucoup trop bien. Voilà, c'était pas prévu. On va même économiser, du coup on va se faire... Ah non, ça marche pas. Je suis bête, on peut pas faire des slabs avec ça. Ah ok. On peut pas faire des... Ah oui, on peut vraiment pas slab... Y a pas des slabs concrete quoi. Hein. Le mec il découvre Minecraft. Ok, bon c'est pas grave, on va faire des blocs pleins. On va faire ça comme ça alors. On va faire ça comme ça, on va pas se casser la tête. Donc, bon bah ça s'achauffe lentement mais sûrement. Ah attendez, j'ai un seau. J'ai un seau sur moi. Non, j'ai pas de seau sur moi. Comment ça j'ai pas de seau sur moi? Je sais cette histoire, parce que j'aurais pu mettre un seau de lave, ça aurait été grave rentable. Mais j'ai pas de seau. Ah mais j'ai ramené du fer. Mais si j'ai ramené... Eh, mais gros, il est où le fer? J'ai ramené des minerais les gars. Je vous jure que j'ai ramené des minerais. Attendez, là il y a un truc qui m'échappe. Iron. Ah voilà, j'avais fait des blocs of iron pour économiser de la place. Eh ben je me disais bien. Donc si jamais, on va pouvoir quand même rentabiliser. Bon, on a assez de bois, tu vois, mais voilà, au moins on va pouvoir. Voilà. Récupérer tant qu'on y est de la lave. En plus, ça nous fait des achievements. Tout classique. Et comme ça, on va pouvoir mettre ça là-dedans. Et on va arrêter d'utiliser tout ça. Ok? Je vais laisser ça ici. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire... Hop. Nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement commencer. Déjà, on va retourner là-dedans. On va voir si on va... Fils de pute, non. Ok, il a pas cassé, Il a pas cassé le portail. Bon, j'ai toujours un briquet sur moi, mais... Tout de même. Alors, si on va se faire agresser comme ça... Je ne suis absolument pas d'accord. Eh merde.
Hey, mon pote. Mon pote à la compote, on va pas être pote. Attendez, on va prendre de la hauteur. Avec un peu de chance, il va même des pop. Attendez, bougez pas. Non, il est encore là. Alors, viens par là. Regarde-moi ça. Check-moi ça, mon pote. Putain. Eh bah, évidemment, il a des pop. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est d'un débile. C'est d'un débile profond. Le Ghast vient de dépop sous nos yeux. Bon, bref. Évidemment, on se fera des passages sécurisés ici. Hein, parce que là, pour le moment, c'est pas très... Merde, c'est pas très le sécurisé. Donc, si on se met là et qu'on se dit que le plafond serait à cette hauteur pour pas qu'on soit trop serré. Donc, ici, ça voudrait dire que là, il y aurait un sol. Là, j'ai 1, 2... Alors, attendez, bougez pas, je réfléchis. 1, 2, 3, sol. 1, 2, 3... sol. Donc on peut on va encore creuser. De toute façon ça va aller assez vite avec la netherrack. Ah juste ça, ça prend du temps. Voilà, on va pouvoir creuser tranquillement. Ça, ça se casse plus rapidement comment? Ah ça c'est lent à casser, ça fait chier. Juste faire gaffe, pas tomber dans de la lave qui pourrait traîner. Donc voilà, là ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, là juste je casse un petit peu une couche. On va remplacer cette couche par la purple concrete déjà. Et après avec les verres, la glace qu'on aura, on va pouvoir commencer à voir les murs à quoi ça va ressembler, d'accord? On va aussi s'amuser du coup à voir les crafts qu'on peut faire au niveau décoration pour se mettre bien. Donc tout ce qui est cuisine, tout ce qui est tout ça, électronique, ça va être trop bien. Et voilà, tout simplement, aujourd'hui c'est cet épisode là qu'on va faire. Moi ce que je ferai en off, donc entre cet épisode et le prochain, je vais ramener un maximum de trucs qu'on a chez nous à la maison. Je vais ramener un maximum ici pour pouvoir qu'on puisse s'installer ici, tout simplement, d'accord? Donc je vais ramener un maximum, je vais faire plusieurs allers-retours tout simplement. Et comme ça dans le prochain épisode, normalement on sera déjà, voilà, je vais pas vous faire chier, c'est le but de la série, c'est pas qu'on se fasse chier. Donc vraiment dans le prochain épisode on sera déjà bien installé, tu vois, genre vraiment dans le prochain épisode on aura fini l'installation et on sera vraiment très très bien. Niveau décoration extérieure ce sera pas ça, mais niveau intérieur on sera vraiment très très bien. Voilà, je suis pas en train de vous vendre la peau de la bête avant de l'avoir tué, mais je pense que ça se passera bel et bien comme ça, d'accord? Par la suite du coup genre dans deux épisodes normalement, et bah écoutez, on ira farmer. Après ça je ferai un off, j'irai farmer les blazes. Et puis comme ça après j'aurai les Eye of Ender, on pourra aller dans l'End, on se fera l'Ender Dragon, comme ça ce sera fait tout simplement. Voilà, on aura fait l'Ender Dragon. Et puis après ça, bah éventuellement qu'on puisse se trouver, donc dans 3-4 épisodes, qu'on puisse se trouver un bastion. Ça risque d'être assez compliqué. Et puis comme ça, et ben en vrai, on aura fini la série, tout simplement. Voilà, moi je vous le dis, on va se donner un truc. Je vous dis, dans 5 épisodes, la série, elle est terminée. Voilà, je vous le dis, elle sera terminée proprement, comme moi je l'aurais eu envie qu'elle se termine, tout simplement. Dans 5 épisodes, la série est terminée. On se donne cet objectif-là, tranquillement. Et puis voilà, en espérant que vous allez kiffer encore à fond ces derniers épisodes. Donc on va bien en profiter encore. Ça, je vous l'assure, aucun problème à ce niveau-là. Et comme ça, voilà. J'espère qu'on trouvera quand même des bastions. Si jamais on n'en trouve pas, on pourra pas forcer, hein, faut pas forcer non plus. Mais parce que c'est quand même assez compliqué à trouver visiblement. Mais voilà. Est-ce qu'avec la pioche, non, ça va vraiment pas plus vite, hein. C'est vraiment de la merde ces blocs. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose au moins de ces blocs là? Flèche. On peut rien en faire de ces blocs. C'est éclaté au sol, hein, vraiment. Donc là on va se mettre tout simplement la purple concrete. Juste pour voir. Ah ouais, non, on va être bien. Là dites-vous que là, il y aura de la glace. Qu'il y aura de la lave, que ce sera lumineux de fou. Vraiment, hein. Ça va être forcément lumineux incroyablement. Et waouh, mais ça va être trop bien, ça va être une discothèque en fait ma maison. Non vraiment on va s'y sentir trop bien. Genre cuisine, canapé ah, franchement on va se mettre vraiment trop trop bien. Donc voilà. Hop, on va encore casser ça, de toute façon j'ai plus de purple sur moi. Ça se casse comme ça, facile. Voilà. Ah c'est assez relou quand même, hein, à casser. Mais de toute façon j'aurais pas assez de purple, il me reste quoi, la moitié d'un stack si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà, merci les amis. Voilà, ça fait 9 minutes de vidéo, donc ceux qui sont là actuellement en train de regarder cet épisode au bout de 9 minutes, et ben c'est ceux qui suivent depuis le début fidèlement la série, c'est vous en faites partie, donc bah c'est maintenant, c'est votre moment. Je vous remercie, voilà les frérots, vraiment merci beaucoup de suivre cette série, de l'avoir suivi en tout cas depuis le début jusqu'à maintenant. C'est pour ça, c'est pour vous et c'est pour moi que j'ai vraiment envie de terminer cette série correctement, donc vraiment en ayant fait l'Ender Dragon, en s'étant installé proprement dans le Nether. Le bastion c'est pas obligatoire, mais voilà, j'ai pas envie de forcer avec cette série à faire plus de 10 épisodes encore, ça sert à rien. Mais en tout cas voilà, c'est pour vous là que j'ai envie vraiment de vous régaler, ceux qui voilà, comme dit, c'est pas la série qui fait le buzz,
C'est pas la série voilà qui, tu vois, premier épisode, il y a eu plus de 1000 vues, beaucoup d'engouement. Et là, je sais pas, c'est comme d'hab, c'est comme chez tout le monde, de toute façon, c'est au fil du temps, les gens se regardent pas. Voilà, c'est vraiment les gens kiffent le premier épisode, et puis après, voilà, c'est juste pour dire qu'on a regardé le premier épisode, quoi. Donc voilà, ceux qui ont suivi activement finalement la série, la communauté évidemment silencieuse, parce que tu vois, voilà, il y a 300 vues en moyenne, sur les 300 vues, il y a quoi, 20-30 commentaires, ça va dépendre, je sais pas, peut-être 10-15. Donc il y a une majorité silencieuse et voilà, vous êtes là et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, pendant que je casse ces blocs, ça me fait plaisir de vous remercier. Donc voilà, tout simplement. On a bientôt fini, la partie chiante de la vidéo est bientôt finie. En plus on a du quartz et on a de l'or qu'on va pouvoir récupérer calmement. Et c'est vrai que j'y pense pas assez, mais on est trop bien ici parce que dans ce biome il n'y a pas de méchants loups qui spawnent. Et voilà, tout simplement. Hop, on va récupérer tant qu'on y est. Ah ouais, mais j'ai Silk Touch, oh c'est chiant ça. Pareil pour l'or, j'imagine. Oh, c'est relou. C'est relou des fois d'avoir Silk Touch. J'avais su. Voilà, attends là aussi. On récupérera ça, vous inquiétez pas. Voilà, ni vu ni connu. Maintenant, faut juste qu'on remonte. Ah ouais, c'est chiant. Hop, hop, on fait du parcours un peu ici. Hein. Nous, on est un peu professionnel parcours. Hein. Hop, hop, et voilà. Voyons voir où c'est qu'on en est au niveau du verre. Normalement, ça devrait avoir fini de fondre. Même pas. Hop, on peut déjà récupérer. On va récupérer la purple concrete. Tu vois, on a déjà le magenta sofa. Ça, je vais ranger ici pour pas faire de bêtises. Tac, tac. Est-ce que j'ai une pelle? J'ai une pelle. Ça va me permettre d'enlever le sable rapidement. Sans se faire couler de la lave. Ça va être assez marrant. Ok. Je réfléchis. J'ai encore donc du sable ici. J'ai de la glace en stack, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai encore du sable à quelque part? Non. Si, ici. Après le sable, on va le récupérer en cassant, de toute façon. Donc, voilà, on va pouvoir continuer, j'entends un ghast. Hein. Non, j'ai cru... Après, c'est les bruits d'ambiance aussi. Et j'entends un ghast. Ça me fait peur. Non, c'est les bruits d'ambiance. C'est trop bien fait. Le nether est quand même assez effrayant. En vrai, je disais que ça me faisait plus peur, mais j'avoue que ça fait quand même un petit peu peur. On va pas se mentir. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on se fait des échelles ou des escaliers pour les différents étages? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Ouais, du coup, en off, je ferai plusieurs allers-retours et je travaillerai aussi la concrete parce que vous voyez, j'en ai pas assez. Donc, je ferai tout ça en off, ça va être bien relou, mais au moins... En vidéo, ce sera pas relou du tout. Ouais, est-ce qu'on se fait des escaliers? On a quoi comme escalier? Tiens, stairs. Ah ouais, on a des trucs sympas. Purple. On fait ça avec de la purple shingles. Ça se fait avec de la terracotta shingles. Ah ouais, c'est relou ça. Attendez, parce que je suis pas à l'abri là. Il y a un gaz juste au-dessus de notre gueule. C'est pas le bon moment là, mon pote. Hein. Ah non, c'est pas le bon moment là. Hein. Pour le coup. Eh, attendez, est-ce que le sol, en fait, on se le ferait pas en verre? Ouais, non, c'est relou. C'est relou, c'est relou. Limite, en fait, vous savez quoi? J'aurais presque envie de mettre tout de suite la glace en haut pour qu'on soit tranquille. Parce que là, j'ai peur, en fait, des ghasts, etc. Voilà. Donc, ouais, non. Il est où? C'est bon, il a des pop. Donc vous savez quoi? Voilà, histoire que déjà, j'ai une zone safe. Comme ça, je peux me cacher en dessous. Les gars, j'ai peur. Je suis vraiment pas bien là. Voilà. Je me casse. Non, parce que là, le problème, c'est que si le gars me tire dessus... Tout ce que j'ai fait, ça se détruit. Donc, ce serait vraiment dommage. Voilà, ça c'est fait. Je suis vraiment pas l'un des gars les plus rassurés, vous l'aurez compris. Ouais. Tout va bien, les gars. Bon. Voyons voir donc les crafts qu'on peut faire du coup. D'ailleurs, avec des blocs of iron, on peut faire quoi? Une tackle box de aquaculture. Ah oui, c'est vrai, j'avais installé un mode en rapport avec l'aqua. Et c'est vrai qu'on n'aura pas vraiment utilisé ça. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ok, bon, on peut pas faire grand chose avec des blocs of iron. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec le fer directement? Ah, mais attendez, je suis un tocard.
C'est parce que j'avais pas la crafting pad, donc attention, les crafts sont pas pareils. Voilà, maintenant... Ah si, justement. Mais non, voilà. Ah non, ça change rien, voilà, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec le fer? Bien sûr, stone cutter. On peut faire une kitchen, mais la kitchen, on va la faire... Ah, mais j'ai claqué tout le purple. Ah, c'est pas grave, il faudra faire la purple kitchen. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre purple. Tout ce qu'on peut faire en purple, on le fait. Donc purple sofa, on l'a déjà. Purple trampoline, très bien. Non, moi, c'est la kitchen que je veux. Elle est ici. Ah, mais il y a plusieurs nuances. Purple kitchen counter. Non, c'est ça que je veux. Voilà, purple kitchen, c'est ça que je veux. Je vais mettre hop dans mon bookmark ici. Qu'est-ce qu'on peut faire en purple de... Donc le purple sofa, on l'a. Ah, c'est magenta, donc c'est très bien. Comme ça, ça nous permettra de faire une belle nuance. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a en purple? Purple kitchen drawer. C'est chiant à faire? Stone terracotta. Non, c'est pas chiant à faire. Donc ça, pareil, on le met dans le bookmark. Comme ça, je ramènerai tout ce qu'il faut. Purple gris, ça c'est le barbecue, on s'en fout. Un trampoline, on s'en fout. Ah ouais, on s'en fout. Le coffre, on s'en fout. On va rester simple. Voilà, donc tout ça c'est bon pour la purple. Voilà, maintenant ce qu'on peut faire avec le fer. Donc la kitchen on en a pas besoin puisqu'on l'a fait en purple. On peut faire un fridge, hein. C'est quoi, c'est un frigo? C'est un frigo ça? Grey concrete, ah oh, c'est chiant hein. Oh là là. Vas-y je l'ajoute hein. Ça le trampoline on s'en fout. Tac tac tac. Jungle kitchen on s'en fout. Ça on s'en fout. On va voir déjà ce qu'on peut crafter avec ce qu'on a aussi. Ok, tout ça on s'en fout. Ok, ok. On a beaucoup de choses à faire avec le fer. Après on revient toujours au même au niveau des kitchens. Hein. Il y a beaucoup de cuisines. Parce que malheureusement je peux pas avoir tous les mods qu'on avait avec BXNO sur Tiki Land. C'était trop drôle. Tiki Land, Tiki Summer du coup. C'était trop bien là d'avoir des toilettes, une douche. Oh, c'est trop bien. C'était trop bien. Ah, on peut faire des... Ah oui, les binoculars, c'est vrai. Très bien, très bien. Fishing line. C'est que des kitchens en fait. Iron plate. Incroyable le brasier qu'on a déjà fait. C'est pourri. On a que de la kitchen et les trampolines. En vrai, ah. Frigidaire, ah, je préfère celui-là. Hein. Je vais enlever le dark et on va garder le light. Hein. Le blanc, il est quand même bien mieux. Ok, enfin en tout cas il me donne plus envie, hein. ça se trouve c'est peut-être pas mieux. Ok, on a... Ah, une post-box. Avec une shulker box, ouais bon là... Ah finalement on n'aura même pas cherché des élytras parce qu'on en aura pas besoin. On se fera l'Ender Dragon mais bon, voilà. Hein. On arrivera à la fin de la série, il faudra juste un bastion et puis voilà donc à la limite, pas besoin. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec... Bah, du coup justement la white concrete que j'ai exprès ramenée. Des coffres. Toujours les kitchens. Putain, on peut que faire des cuisines et des coffres. Ah. Diving board. Ah, c'est le pour sauter dans la piscine. Ok. En fait, on peut pas faire grand chose. Hein. En vrai de vrai. Ah ouais, non, mais en fait, j'ai ramené tout ça, mais en fait, on va rien en faire. Eh, la vérité. La vérité est ailleurs. J'ai envie de vous dire. Ouais, tu crois que t'as beaucoup de trucs, mais en fait, c'est que ça. Après, il y a des tables, mais ça, je vais les ramener, on en a déjà à la maison, je crois. En vrai, il n'y a pas énormément de trucs. Ah, les chaises, bien sûr. Bah, ça, c'est avec le bois. Pas ouf. Pas ouf du tout. Pas ouf. Bon, c'est pas grave. Ça me manque, hein, quand même, un Tiki Summer. Hein. C'était pas pareil. Hein. Ça, c'est sûr. Mais forcément, on est à 1.16. Hein, que veut le peuple hein. On peut pas non plus trop en demander. Alors, on va continuer. Le plafond, priorité au plafond. Ouais, on va peut-être pas le continuer tout de suite. Attends, le ghast il est là-bas, c'est bon. Le ghast il est là-bas. Frérot, t'es mort. Voilà, un petit one shot. D'ailleurs, est-ce que je peux récupérer éventuellement ta larme de ghast hein, ça me ferait toujours plaisir. Alors, l'XP il est là. Voilà. Ah non, il m'a même pas looté de. Quel enculé. Ah, bah, tu te rends compte, il m'a même pas looté de larme de ghast. Truc de ouf. Ok. Toi tu vas m'accompagner toi quand ce sera Halloween et qu'on fera des lives et des jeux vidéo horreur. Oh, il va m'être tellement utile hein. Hein, tu vas m'être utile putain. Je vais me chier dessus. J'aurai besoin de toi. Ok. On va continuer. Donc j'aurai vraiment pas assez de glace. Je sais pas encore où c'est qu'on fera des escaliers ou quoi. Les pigmen ils se sont déjà installés tranquille hein. Ils se sont crus chez eux.
Oh, ils ont bien raison, en fait, comme chez vous. On va cohabiter ensemble, vous inquiétez même pas. Colocation. Ah, l'avantage d'avoir une silk touch. Hop. Voilà, histoire qu'on sécurise un petit peu. Si jamais, tu vois, il y a un ghast au-dessus de moi, j'ai juste à sauter en dessous, quoi. Il y a rien, hein. T'imagines, là, tu vois un bastion, là. Boum. Oh, ce serait excellent. Bon, bref, ma foi. J'ai vraiment pas du tout tout ce qu'il faut, quoi. Je pensais pas, hein. Je pensais vraiment pas, hein. Il me faut encore énormément de purple concrete. Énormément de glace, même pour les murs, du coup. Donc, ouais, les frérots. Bah, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Moi, ça me fait chier, mais je vais devoir le faire. Je vais rentrer à la base. Je vais rentrer à la base pour faire des allers-retours, ramener plein de trucs. De toute façon, il y a toujours mon petit animal de compagnie ici. Voilà, je vais faire des allers-retours. Je vais farmer la concrete aussi. Tout ça, ça va être incroyable. Bref. Soyez patients, les amis, pour le prochain épisode, pour le coup. Vraiment, soyez patients. Soyez au rendez-vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde!